le segment sus azygo-aortique descend dans le intestin postérieur contre la colonne vertébrale. Dans le segment sus azygo-aortique, l'œsophage répond aux éléments suivants. En arrière, vertèbre en ligne de T3. Latéralement à droite, la vertèbre. Oui. Latéralement à droite et à gauche, la vertèbre. Parfois, on prend les deux coups. Ventralement, la trachée. À droite, les constituants de la loge prétrachéale. Dans l'ordre de l'œsophagien, le nerf va. C'est le nerf, les grands, ABC. 5. Le séquence descend dans le médecin postérieur contre la colonne vertébrale. Répond en avant à la face postérieure de la trachée. En arrière à la colonne vertébrale. Répond à droite à la face interne du poumon droit. Oui. Pré-croisé par le canal thoracique. Par l'intermédiaire des muscles prévertébraux à la colonne vertébrale du T2 à T4. Répond à droite au nerf vague droit. Répond à gauche au poumon et à l'air. C'est-à-dire, bien que la lèvre, on aurait peut-être été plus rigoureux en disant D répond au nerf vague droit en avant et à l'air. Le segment inter-azygo-aortique. Non, c'est pas dans ce que vous avez dit.
Donc, Karen est la partie initiale de la branche souche gauche, avec les deux trachéobranchies, le rectum gauche et l'artérobranchie dans sa variante fontaine. Voici le nerf vague gauche et voici le rectum gauche. Donc, le coup de réveil, on est de rapport avec le vague droit et le rectum gauche. On n'a pas parlé de rapport avec le rectum gauche, le vague. C'est un gros, c'est allez, chaud. شفت الباب دور جوش منو؟ شكون يبقى فيه؟ وقتاش باش يخرج من الزفار انسو اسيكوتي باش يولي منير بعد اونتري هكا ولا؟ منير بعد الزفار منير بعد الجوش الفوتيريور دو بواي اونتري دونك انسو اسيكوتي ما نحكيوش على منير بعد جوش نحكيو على ارتيكولون Le nerf vague droit, allez, il a des rapports avec l'œsophage. Je crois que allez. Parce qu'il y a une règle classique qui dit le nerf vague gauche est en dehors de la grosse de la haute et le nerf vague droit est en dedans de la grosse de la zone. Donc les deux nerfs vagues ont des rapports avec les grosses. Le nerf vague gauche est en dehors de la grosse de la haute et le nerf vague droit est en dedans de la grosse de la zygote. De ce fait, le nerf vague droit a des rapports avec l'œsophage. On suit sa zygote. Alors que le nerf vague gauche, on suit sa zygotique et on est à la zygotique et c'est pareil comme la grosse de la haute, donc pas de rapport. Regardez, je reviens à cette courbe tout de suite. Segment interzygotique, là c'est très simple de deviner le rapport. Rapport postérieur, qu'est-ce que vous avez? Rachis, la variante postérieure de l'artère branchie. En avant, qu'est-ce que vous avez? Rachis et le rectum gauche. Le canal thoracique qui tend à devenir maintenant postérieur, vous êtes d'accord? Et le nerf vague gauche, vous voyez qu'il reste à distance. Alors que le nerf vague droit, on a des rapports avec lui. On en a déjà parlé. Le nerf vague droit, maintenant, il est à droite. Schkel, en avant et à droite, maintenant, il est à droite. Vous voyez les rapports, on peut les écrire comprendre. Donc, on a vu un rachis, la variante postérieure de la branchie droite, canal thoracique qui se place en arrière, en avant, trachée et rectum gauche, le nerf vague gauche reste à distance, et à droite, venez, évidemment, la crosse de la zygose qui bat la face droite de l'osophage. On est à l'étape inter-azygo-aortique. Donc à droite, c'est la crosse de la veine. Et le nerf vague droit qui va devenir latéral droit. On est d'accord, bref. Donc je répète les rapports du segment inter-azygo-aortique. Évitez de vous évanouir. Donc je confonds de ces schémas. Alors en arrière, canal thoracique qui va se placer en arrière, donc on va se contenter de la courbe D4. Bien allez, ok, il faut que je m'appelle la courbe D4. Segment inter-azygo-aortique en arrière. Rachis, canal thoracique. En avant, trachée, rectum gauche. À droite, nerf vague droit. Et crosse de la zygote. Donc, quand vous voulez opérer un œsophage thoracique, est-ce que c'est plus facile d'accéder à cet œsophage du côté gauche ou du côté droit? Donc, vous faites une thoracotomie droite, vous ligaturez la crosse de la zygote et vous travaillez. Septième question, le segment inter-azygo-aortique. Il est situé à la hauteur de l'écart. Oui. Répond en avant à la bifurcation trachéale à la branche souche droite. Gauche. Répond en arrière au canal thoracique. Oui. Répond à droite à la crosse de la haute. Répond à gauche au nerf vague gauche. Non, non. Répond à gauche à gauche. Ça, c'est pas. A, C. 8. Le segment inter-azygo-aortique est situé à 15 cm. Allez. Inter-azygo, et pas lui. 15. Ça, plus 2 ou 3 cm. 22, normalement. Oui, le rétrécissement aortique. Répond en avant à la bifurcation trachéale et branche principale gauche. En avant, au nerf avec le nom droit. Répond à droite au nerf vague droit.
Réponds à gauche à la colosse de Benazimov. À gauche. B. 9. La portion interocycloïque. Réponds en avant à la bifurcation trachéale. Réponds en avant à la branche gauche. Réponds en arrière à dessin pour faire la thoracique. Réponds à droite à la colosse de Benazimov. Qui est au contact, lui. D'ailleurs, si, au contact. Regarde le chemin. Donc, question de la question. Réponds à gauche à la cause de l'autocontact, maintenant à l'investissement. Oui. Oui. A, B, D. Question 9, A, B, D. Le segment sous un zygo aorte. Alors, regardez, est-ce que quelqu'un peut trouver une cause au niveau de ce schéma? Déjà. Normalement, il doit passer ici. On va y aller à la main. Donc, normalement, ça c'est pour. Donc, ça doit venir ici. Bien. Alors, ça c'est le même schéma que par Serra. Juste un schéma plus coloré. Donc, c'est une vue plus claire, mais déjà postérieure. Quels sont les rapports postérieurs de l'œsophage dans son segment sous un zygo aortique, le plus long segment? Vous allez me dire tous les trucs qui cachent l'œsophage en arrière. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que, alors, je vais dire, est-ce que l'aorte cache l'œsophage à ce niveau? Oui. Est-ce que les artères intercostales postérieures, droite, cachent l'œsophage en arrière? Oui. Est-ce que la glande veine zygote passe en arrière et à droite de l'œsophage? Oui. Est-ce que la portion horizontale des veines hymiazygos cache l'œsophage? Oui. Est-ce que la huitième veine intercostale postérieure gauche cache l'œsophage? Est-ce que le canal thoracique cache l'œsophage? Est-ce que le rachis cache l'œsophage? Est-ce que le nerf vague droit va aller derrière l'œsophage? Voilà, vous avez tous les rapports. Donc, il y a là aussi du disque. Là, c'est le rat, le canard, on essaie de développer, ça bouge, etc. Là, on ne fait que des clics. On n'invente rien. Donc, je répète les rapports. Il faut avoir juste un peu d'observation. Segment 3 de l'aorte, azygos en arrière à droite, canal thoracique, nerf vague droit, les artères intercostales postérieures droite, les deux les portions horizontales des nerfs de l'azygos, la huitième veine intercostale postérieure gauche, le rachis et puis les chaînes sympathiques qui sont très postérieures aussi. Ben. Qu'est-ce qu'il y a en avant? Faire la chambre en arrière. En avant, ce n'est pas difficile, regardez. C'est toujours la vue postérieure en bas de la choyée. Allez, je pense qu'on a coupé la crosse. Plus on a coupé la grande veine. À Zygos, on a coupé le segment 3 d'avant. C'est toujours une vue postérieure. En fait, qu'est-ce qu'il y a en avant de l'œsophage? Hal, je t'accorde, brache, tu fais. Comme Hal, je t'accorde, je te sers, Hal, je t'accorde, je te sers. La habitacteur, on sait là, il y a le zone intercardio-branchique. Alors, chose. Deux branches, les deux veines pulmonaires. On fait un zone, on a bande d'œsophage. Dans lequel il y a des ganglions lymphatiques caliques. Voilà. Et l'image que je te sais, hein, et l'œsophage est en rapport en avant avec l'atrium gauche. Avec l'oreillette gauche. Pas la il est séparé de l'oreille par la bulle de sac péricardique qu'on appelle le facteur allié. Avec Arèche Kabal, fait les grandes insuffisances cardiaques droites avec dilatation auriculaire droite, qu'elle vient monter au GD. Vous faites au GD, il y a un paillon gauche, osophagien. Une image de soustraction osophagienne par l'hypertrophie de l'oreille gauche. Vous voyez, Arèche Kabal, l'égographie transosophagienne. Arèche, ce qu'il y a,
échographe, il parle à un certain moment, problème de l'écouche. Ça lui permet de détecter, par exemple, des végétations en endothermique, hein, des végétations dans la terre 3 mm, alors que le bébé, c'est 5 mm. D'accord ? Allah, on a des lunettes, on est au plus performant, je sais. Ah, à bien, à le plus de marche, dans le temps, 15, 3 mm, dans la terre. Tu vois ? Regardez, ça c'est une coupe échographique, c'est une coupe échographique. Là, vous avez le rachis, la horte, la grande veine acidose, d'accord ? Ça c'est quoi ? C'est l'œsophage, ça c'est le poumon avec la plaie. Ça c'est un poumon avec la plaie. Regardez là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ligament intercleural. C'est un ligament intercleural. Et là vous avez l'œsophage, ça c'est le nerf vague droit qui devient postérieur. Et là vous avez le cul-de-sac péricardique de la lèvre. Et là vous avez le gauche. C'est clair. C'est bon? Là, rappelez-vous cette histoire. Donc là, c'est l'œsophage. Là, c'est le nerf vague. Ça, c'est le canal thoracique. Et là, vous avez le ligament intercleural qui est entre la horte coronarienne et l'œsophage en avant. Alors, le ligament intercleural, la horte coronarienne et l'œsophage en avant. C'est bon? Ben. Donc là, j'ai encore le rapport de la sous-asie aortique. Mais on a des rapports postérieurs, au lieu de sac de la lèvre avec le nez gauche. Donc en sous zygo optique, en arrière, segment 3. Segment 3 de l'aorte, grande azygose, nerf vague postérieur droit, le canal thoracique, la portion horizontale des azygoses, les ilias zygoses, la 8e veine intercostale postérieure gauche, les artères intercostales postérieures gauche, le rachis. Et le rachis. En avant, le losange intertrachéobronchique avec le ganglion et l'oreillette gauche. Et le deuxième ligament intervloral, c'est le moelle, vous voulez les vagues, vous pouvez faire un chèque. Par contre, je vais vous dire que je vais vous donner un rapport à la porte à l'osophage. Ah, c'est bien. Alors, trois segments. En sus azygo-aortique, qu'est-ce qu'il y aura à retenir? En arrière, rachis, chaîne sympathique. En avant, trachée, récurrent. Mais à gauche, bourgerie. Et canal thoracique. Ça fait le nez. Sus azygo-aortique. À droite, chez Bran, en avant et à droite, le nez, bas, droit, pour que le baléti et dire le jeu de l'autre égard, quand je crois à un système. Ben, Tawika, on a un tel, un zigou à or. En arrière, rachis, canal thoracique, en avant, rachis, rectangle gauche, à gauche, bon, c'est bon, deux, à droite. Elle va boire et prendre de zygote. Oui. En sous de zygote. En arrière. Segment 3. Grand vers la zygote. Canal thoracique. La portion horizontale des émiens zygote. La 8e veine intercostale postérieure gauche. Les artères intercostales postérieures. Le nerf vague. Droit. En avant. Losange intertrachéobronchique et l'intérieur gauche. Et latéralement, évidemment, les nerfs vagues vont se faire postérieur. 10. En fait, le pas qui subit sur la prochaine, tu veux des 4 mèches sailles. On parle, à ta vue postérieure, on ne dit pas, mais le four. Et on dit, ah, vous savez, il y a le dopage, ça m'a fait un le mort, ok? Attendez. Pour les zygos. Vous voyez? 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 Vous
Mais si vous visualisez le truc, ah ben si vous apprenez, Dix. Le segment sous est signé à ordinateur de deux pas. L'écrit dans le sens frontal, il coule concave à gauche. Oui. Voilà, on dit qu'il y a après. Répond en avant à la face postérieure de l'oreillette gauche. Oui. Répond en arrière au ligament antérieur de bras. Oui. Répond en arrière à la même liaison accessoire. Oui. Position. Horizontale. Oui. Répond à droite au nerf droit. Voilà. Qui se place sur sa face postérieure à la partie basse du médiastin. Oui. Ben, ABC. Or, dans son segment, nous assignons à autre. Non? C'est D.
respiration de l'adrachie. Oui. Au péricarde. Oui. Au canal thoracique. Non. À la crosse de la zygos. Non. À la paire intercostale droite. Non. A, B. 16, A, B. Alors, il va traverser le diaphragme en regard de pédis. Donc, vous voyez qu'il est séparé de l'aorte par les aiguilles du diaphragme ici. Hein? Ça, c'est l'œsophage. Ça, ce sont les sternes de l'aorte. Et ça, c'est l'épidique qui sépare l'aorte de l'œsophage. Alors, ce virus contient l'œsophage et les deux nerfs. Et puis, alors, si vous voulez être carré. Si vous voulez être vraiment carré, c'est l'œsophage, les deux nerfs et les branches artérielles, des artères cléniques inférieures et des cardio-œsophagiennes qui traversent les tissus pour vasculariser la partie basse. L'œsophage thoracique, vous êtes d'accord? Bien. Voilà. Souhait. Qui peut me citer les branches collatérales de l'artère axillaire? L'artère thoraco-coracoïdienne. Thoraco-acromiale. Thoracique interne. Thoracique externe. Les petites thoraciques. D'accord. Quels sont les ganglions lymphatiques qui drainent l'intestin? Oui, oui. Périphérique, intermédiaire, central. Quel est le cité, le muscle de la famille des trois adducteurs? Qui est partiellement innervé par le nerf sciatique. Le grand. Quel est le muscle de la marche? Thoracique. Quel est le muscle de la montée des escaliers et de la souris? Quadriceps. Quel est le muscle de l'extension du genou? Quel est le nerf de l'opposition du pouce? Médian. Quel est le nerf de l'abduction du pouce? Les nerfs. Quel est le nerf qui nerve la loge ténard? Suite à l'accident de la voie publique, il y a un déficit de l'abduction de l'épaule. Quel est le nerf atteint? Hein? Axillaire. Quel est son territoire sensitif? L'épaule. Alors, l'estomac est vascularisé par deux cercles artériels. Lesquels? Petite formule et le cercle de la petite formule est fait par l'anastomose de. Réjouis-moi avec toi. Transcéniale, regarde. Intergastrique. Avec une branche antérieure et une branche postérieure. Rappelez-vous, la gastrique gauche avec son segment, sa partie iliaque fixe, rétropéritonéale, qui croise le côté gauche du diaphragme, la partie intra-alimentaire qui est en bas, et la partie paragastrique qui est courte, qui cristallise un segment antérieur et postérieur. L'artère splénique, qui va aller sur la face postérieure de l'estomac, sur le bord supérieur du pancréas, ou en avant ou en arrière, elle se termine en avant de la queue du pancréas pour vasculariser la rate par les deux artères polaires. Supérieure et inférieure. Bien. Elle donne, rappelez-vous, des éléments progressifs, et notamment la tête gastrique, parce qu'elle résultat des cardiaux d'approche. Quand les vaisseaux courent. Bien. La tête hépatique commune rase le bord supérieur de l'isthme pancréatique, qui va donner deux branches terminales, la gastro-duodénale et l'hépatique propre. L'hépatique propre va se diviser dans le foie en deux branches droite et gauche pour le foie. Elle donne des collatérales, comme la supra-duodénale et la cystique, mais notamment la gastrique droite pour la pylori, qui va donner une branche antérieure et postérieure, et là c'est le cercle de la petite courbe. La gastro-duodénale donne une collatérale qui est la PDS-P, et deux terminales, la PDS-A, et la gastro-montale droite. La gastro-montale droite donne une branche gastrique, et la
et la spirite, donc la gastro-mentale gauche avec une branche gastrique et une branche omentale. Ça, c'est le cercle de la bande courbure et ça, c'est le cercle de la petite courbure, le cercle de Bacon. La prochaine.